Ministre délégué auprès de même ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Le 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés, dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. Vive la République, vive la France! Je vous demande une minute de silence. Le 11 novembre est le jour particulier où la France honore ses morts pour la France. À cette date anniversaire de l'armistice de 1918 et chaque année, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, par son message à lire au monument aux morts de chaque commune de France, rend ainsi hommage à tous les combattants de la Grande Guerre. En cette année 2020, l'UFAC souhaite s'exprimer aussi sur les morts du terrorisme, assassinés parce qu'ils étaient citoyens français, enseignants, passants ou tout simplement présents là au mauvais moment. Leur mort est le fait d'un assassinat déterminé par haine de la France, de ses valeurs et de son art de vivre. Alors que nous étions en droit d'espérer un soutien international dans ces épreuves, il s'est trouvé de par le monde des dirigeants, approuvant ces crimes et justifiant au nom des dogmes religieux. Ces morts ne doivent pas être oubliées. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre s'incline avec un profond respect devant la douleur de leurs familles, de leurs proches, de leur extrême qu'elle partage avec tous les Français et Françaises. Derrière ces victimes, il est certain que c'est notre démocratie qui est visée. Nos lois reflétant cette société démocratique qu'est la nôtre respectent chacune et chacun d'entre nous. Il appartient à notre classe politique et à notre gouvernement de trouver rapidement les solutions adaptées que la situation exige. Était signé l'armistice du 11 novembre 1918.
Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse mais affaiblie déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et un hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leurs sacrifices, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui combattent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France !